Je vous ai dit qu'ici à Facebook, faites attention. Quand des informations. Voilà la petite fille qui pleure là, comme mon maman fait ceci là parce qu'il suce la bouche de Boba ici. Hey! Zumanto, tu mérites la prison. Quand vous parlez, ne gardez pas l'histoire là comme ça. Hein, les voilà. Les vidéos commencent à sortir là où ils sont avec Boba. Comment elle ne l'arrache. Elle ne. Écoutez, hein. Elle touche le visage de Boba. Elle vient crier à Facebook. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas les informations sur Facebook. Et j'ai eu ma perruque. Très belle. Je suis entièrement préparée pour la canne. Je serai là-bas. Je vais changer les trucs tous les jours. Vous allez voir des grandes supportistes. Ta même joyeuse. Maman, depuis que j'ai maman des cinq, ce sont les devenus encore debout, debout, en j'ai là. Merde, les debout, debout, massa, depuis des années là. Toujours debout, toujours bien renfermé quand quelqu'un touche. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Papa, prends-moi, papa. Papa, papa, papa. Ouais, je suis content ce matin, je t'assure même plus pour même le contentement là n'est plus content comme la rose joyeuse. Moi je suis à Facebook hein, pour rendre les gens heureux. Je suis là pour vous rendre heureux. Parce que moi je me rends heureux. Hey! Commentez, mettez les cœurs, hein. On m'appelle des silhouettes. Des silhouettes. Attendez, il fait encore froid. Qu'on va commencer à mettre les habits qu'il faut pour ce genre de choses. Vous allez peut-être regarder que la courte femme se fait quoi à Facebook. Ben oui. Mais aujourd'hui, là, je suis allé un peu marcher. À partir de demain, je commence la marche. Football du contrex. Ah ouais. On va faire des silhouettes. 48 ans, bien dosé. J'ai dit bien dosé 48 ans. Bientôt 49 ans. Célia. Après, on cause. Hein. Le ventre. Mais j'étais d'abord quand même avant. Vous ne me connaissez pas. Vous m'avez connu quand je suis devenue difforme. J'étais même ça, je suis ma copine. Là, je suis ma grosse. Attendez, bientôt, vous allez me voir, non? Ah. Je suis homme appelé une femme enfant. Vous connaissez cette femme là, non? Femme et enfant. C'est tout comme ça. Bébé, maman, c'est quoi là? Maman, le vent a commencé là-bas. Maman, que le vent entre un peu ici. Que ça nettoie un peu. Calmez-vous, calmez-vous. On fait un peu de sport. J'ai dit que quand certains poissons vont quitter l'équipe là-bas, vous avez vu maintenant, on ne monte plus ce bordel-là. La reine est devenue maman. Maman, on ne voyait plus les joueurs. C'est maintenant qu'ils commencent à avoir le visage des joueurs. Les joueurs étaient seulement là. C'est ce que, oh, les filles, oh, 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 ceux qui font comme ça, oh, ceux qui font comme ça. Mais, on ne met les joueurs en haut, rien. Quand on a vu maintenant que oh, ça ne va plus, on a cherché un bœuf pour venir tuer, pour nourrir tout le village. Et le bœuf là, c'est qui? C'est Bogda. Ok, Bogda, c'est un grand bœuf. Vous le nourrissez sur la beau page. Chacun le qui sort. Moi, je m'en fous. Zumanto, toi-même. Parce que les Allemands sont en train de déporter les Africains dans leur pays. Vous avez fui, vous tous. Vous êtes pas tués, pas tués à fuir. Zumanto, tu es maintenant où?
En Angleterre, tu conduis ta moto en Angleterre. T'as même pas honte. Un petit bâtard comme ça. Il est court comme du camion, comme vous voyez là. Enfin, du camion, excuse-moi. Hein. Un peu comme ça là. Il fuit l'Allemagne. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas là. Hein. En Allemagne, parce qu'eux ne veulent pas les gens. Non. Parce que là, on va chasser l'autre là-bas, là, le président, la cause, la présidente, tout c'est quoi. Vous changez la main, quelqu'un encore là-bas ou quoi. Vous n'êtes pas au courant de ça. Là, maintenant, il va dans un pays qu'il ne connaît pas, il fait foi là-bas, parce que là-bas, comme ils ont fait à Londres, il y a une communauté de Bafans à Londres, que c'est que les Bafans qui sont là-bas en Angleterre. Il y a eu une autre communauté des Bangantais en Belgique, d'autres mélangés ici là. Ils sont vraiment les chasses maintenant partout là-bas. Moi, je vous dis la vérité, hein, quand vous ne connaissez même pas l'histoire de l'Europe, c'est. Moi, je vous dis la vérité. Zuma, tu as vu que maman. Il est parti là-bas, là où il fait faux pays, là où il fait faux au Canada. Il n'a plus quelque chose à faire comme ça. Il se rappelle qu'il était au Cameroun, peut-être au Cameroun. Il a vu quelqu'un comme ça, ou bien il a dragué une fille, la fille a refusé. Il vient créer des problèmes sur ce beau monsieur qu'on appelle Bouddha. Je ne suis pas d'accord. Bon, va conduire des motos là-bas, à la neige, des motos neige. Quand vous aimez migrer partout. Babieke partout. Ça, c'est vous, Belgique. Ce n'est plus la Belgique. Allemagne, c'est plus l'Allemagne. Maintenant, c'est que gay. Même Nel Barano a fui la Belgique. Il a pris femmes et enfants, les assiettes et tout. Ils sont tous partis en Angleterre, au Canada. Je veux pas que c'est la même chose. Mais il se rend compte qu'il y a un bloc qui ne marchait pas. Il faut maintenant créer un buzz sur quelqu'un qui a peut-être dragué sa copine ou quelque chose comme ça. Que les pérennes, alors, viennent se mettre en rang. Hein? Vous voilà qu'on entend. Quand vous voyez que vous allez chier quelque part, ça sent mauvais, vous fuyez. Voilà ça. Qui parle ici en Allemagne? Je suis au courant. On est en train de rapatrier les gens en Allemagne jusqu'à au Cameroun. Ils sont maintenant en train de fuir, ils ont cherché un autre filon. C'est un filon du pétrole. Ils sont partis où? À Londres. C'est interdit là-bas. Maintenant, c'est en Canada. Il faut dire que tu es bamléqué. Il faut parler bamléqué pour qu'on accepte. Parce que nous, c'est notre tour depuis des années. Aux États-Unis, ils sont remplis là-bas. Vous allez remplir tout le monde. Ça va changer quoi? En faisant du mal aux gens. Hein? Qui de vous est sorti ici pour parler? Hein? Non, parlons un peu vrai. Moi, je vous parle aujourd'hui. Est-ce que vous savez que, en ce moment, chez les Yéhoud, les machins là-bas, on appelle ça les chiens, les Allemands là. D'abord, les Allemands là-bas, ils ne s'amusent pas. On est en train de les rapatrier doucement, doucement. Qui parle de ça ici à Facebook? Maintenant, ils fuient. Eux tous, ils ont fui. C'est tous ces activistes-là. Ils ont fui, eux tous. Voilà, Niat qui se retrouve aujourd'hui au Canada. Niat, avec sa famille. Il a déménagé même les assiettes. Il est parti au Canada. Oui. Voilà, Zumanto, pareil. Il a fui l'Allemagne. Zumanto, comment vous là? Vous voulez croire à cette histoire? Ils veulent suivre, ils veulent derrière vous. Quand tu parles de jument, on vient mettre que non, allez suivre. Et puis quoi? Parce qu'il a maintenant créé un truc là-bas sur YouTube. Ils veulent faire de l'argent. C'est facile. La communauté qui t'a reçu là-bas, ils doivent donner de l'argent. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Hein? Parlez! Parlons ici, c'est vrai ou ce que je dis là? C'est vrai, non? Les Waros, les Bamlékés sont en train de fuir l'Allemagne, Pougnan, eux tous. Père, mère, enfant, assiette, cuillère et tout, les verres et les champagnes et tout. Pour aller où? Au pays du foie, le vent. On dit que même là-bas, au Canada, il fait foie que le pays là qu'on appelle, là où Boutil met les gens là-bas en prison, là, la Sibérie. Là où il fait, on vous envoie là-bas parce qu'il faut peupler. Il faut peupler le Canada. Vous avez fini à Londres. C'est les Bafans qui gouvernent Londres. Les Bafans, ils sont arrêtés, ils sont calmes là-bas. Les Bangantais, c'est eux en Belgique. Et le Bourgandien, tous les Bangantais sont où? En Allemagne, là où on est. Ceux qui ne parlent pas. Demandez à votre patron, Edouard Bala. Va vous dire, si tu ne parles pas allemand, tu n'es pas intégré, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Maman, on te fout dehors. C'est pas comme ici en France. Hein? On ne parle pas les vraies choses qui touchent le peuple.
Vous n'avez pas parlé des histoires de Bogda. La fille ici qui accuse Bogda. La voici ici qui angoisse Bogda ici. Hein. Mais Walos, écoutez, regardez-moi très bien. La fille que vous voyez ici, c'est elle qui parle. Il m'avait fait ceci. Il m'a fait ceci. Là, voilà qui. Les photos sont sorties. Donc, je remercie les gens qui font ce travail. Je crois qu'elle était seule ici. Zuma te vient encore parler. Comme tu connais fabriquer les histoires. Lanceur d'alerte de mes fesses. Lanceur d'alerte de mes fesses. Tu connais construire les histoires. Voici la fille qui pleure là. Partout parce qu'elle était amoureuse de Bogda. Bogda a refusé. Regarde, regarde une belle petite fille. Elle est même quoi, métisse ou catherine. Regarde. Maman, la bouche de ça. Donc, tu aimais ce qu'il te faisait, non? J'ai dit que ça va finir par sortir. Nous, on est ici. On gagne. On fait le sport. On apprécie les périls de la veuve. Il va faire une sortie ce jour-ci. Une sortie. Vous allez... C'est vous qui allez me juger. Hein. Mon habit que je veux porter. Mon habit et tout. Voilà. Ce sont les petits perruques que je veux porter ces derniers temps-ci pour aller sur les Champs-Élysées, boire mon petit verre. Parce que les longues, longues choses là que j'ai toujours des perruques pour commencer. Je ne peux pas dire que je n'ai pas des perruques. Donc voilà. Parce que là, vraiment, il fait déjà bon. Hein. Les temps sont vraiment adoucis. Peut-être que je vais m'aller voir une amongo aujourd'hui. On n'est pas mercredi, non, c'est un vendredi. Le coupé soya de ça. On n'a pas coupé soya, Emma. Maman Jaïse. Je vous ai dit que Zuma Tau d'abord, mais puis là, déjà, une page que les gens sont là. Maman, vous pouvez accuser quelqu'un sans preuve. Voilà alors les gens qui pleurent, les filles qui pleurent à Facebook, là, les voilà qui embrassent Bogda. Hey! Je vous ai dit que. Ah, quand tout le monde part à gauche, moi je pars à droite. Vous partez à droite, je suis à gauche. Hein? Mais voilà, vous regardez. Bon, la petite fille qui pleure là, la voici ici qui embrasse Bogda. Il y a même d'autres vidéos. Allez regarder. Ça, ce n'est pas une honte. Vous venez salir un honnête citoyen camerounais qui paie ses impôts. Comme Bogda. Je vous ai dit que l'histoire va sortir. Regardez-les alors. Que les petites filles belles brunes. Bien. Viens fortifier derrière, mais il faut même que moi j'ajoute aussi un peu les fesses là, parce que... Pourquoi pas, je peux aussi ajouter un peu. Si c'est ajouté, les gens vont mourir. Bébé, bébé, tiens, tiens, tiens. Ah non, j'ai mes projets quand même sur mon corps, c'est... Vous allez encore dire quoi? Voilà beaucoup d'ici, non? C'est qui ici? C'est pas celle qui pleure là partout. C'est qui a encore l'histoire. Ouais, c'était mon anniversaire, le jour de mon anniversaire. Et je suis parti aux toilettes. Vous savez que dans les restaurants, des machins là, en haut, il t'a violé, il t'a fait ceci. Pourquoi ce n'est jamais sorti? Hmm? Les enfants des riches marchent avec les gardes du corps, c'est payé par l'État. Oui. Les enfants de Fosso, tous les enfants de Fosso marchent. Même Kerel Fosso quand il est au Cameroun. D'abord, elle se marie pour aussi. Elle va se marier avec qui? Les fils de qui de soigne? Parce que ce sont les mêmes gens. Hmm? Moi, je parle ma part ici, c'est lundi matin. Hein. On est quoi? Mardi, mercredi. Voilà. Vous qui avez mis la bouche sur cette histoire. Vous qui avez mis la bouche sur cette histoire. Zuma, sur ce papa Kongosa. Il sait analyser les problèmes. Hmm? Il sait analyser les problèmes ici à Facebook. Mm-hmm. Ils savent analyser les problèmes. Vous croyez que la fille de Grémont va aller épouser le fils de Dupont? Jamais. La lignée doit continuer entre les Grémont et les autres. Donc, dans la hiérarchie des Français, vous connaissez comment ça se passe. C'est les deux qui se poussent entre eux pour que la fortune reste ensemble. À l'époque, moi, je ne parle pas à ma part. Hein. Moi, je vais vous dire la vérité. Rien naturel, pourquoi? Je suis belle comme ça. I am the belle woman. Moi, j'ai jamais mon teint noir. Non, mon, je dis que je suis de silhouette. On m'appelle la silhouette. D'abord, je suis une petite femme. Vous allez m'appeler la silhouette. Oui. Quand vous êtes que c'est mon ventre qui me dérangeait, qui a cru? Pépé, pépé. Hey. 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 Oui. Oh, Pogba, prends-moi, Pogba. Oh, beau garçon, noir comme ça. Non,
Je vais finir avec pourquoi un jour. Je me connais. Chacun, tu regardes quoi? Pourquoi c'est mon show? C'est comme il ne t'a rien fait. Toi, tu veux parler de lui. Tu es tué comme ça, Chakiro. Moi, je t'aime bien, Chakiro. Arrête, hein? Hein? Donc, Chakiro, arrête tes histoires. Laissez ce gars tranquille. Voilà les gens qui se plaignent ici à Facebook. Les voilà. Les voilà qui se plaignent ici. C'est vrai que toi, on t'a mis en prison, justement. Parce que toi aussi, tu exagérais trop. Hein? Comment tu fais l'amour avec un garçon comme toi? Hein? On voit comment un petit lait pénis sort de tes fesses. Hey! Chakiro, toi aussi. Dans les carapotes, il fallait quand même choisir. En plus, tu étais mignon à l'époque. On a tout vu pour toi ici. Donne les pistons de Pobassi. Moi, j'ai tes vidéos. Hein? Moi, tu as papa là où on dit que je m'en fous. Je n'étais pas là. C'est ma maison. J'ai laissé ma maison. Il y a une fille qui était jalouse. Hein? Parce qu'elle avait la photo de bois depuis. Elle est venue rester ici. Donc, me fiez-vous. Je m'en fous. Pobassi n'a rien fait. Oui. On a déjà mis, à ton époque, tu étais trop explicite. Tu faisais trop des choses. Tu insultais les gars avec qui, que tu as bouillant. Hmm? Les représentants de l'ordre, et bien, ça, tu les insultais, ils avaient aussi honte. Ce sont les papas qui faisaient aller goûter un peu ce qu'on appelle carnistologue. Oui, ils sont venus chez toi, donc ça appelle toi, tu as voulu les faire des chantages dans les réseaux sociaux. Donc, ça n'a rien à y voir. Laissez ce garçon, il n'a rien fait. C'est un beau, maman, beau chocolat noir. Dis donc, je vais me mettre belle pour lui, le gars-ci. Ne pas le louper. Et puis, je ne vais pas aller voir ce qu'on dit là qu'il est. Mais le mec, ouais, et bien je parle. Je suis à toi là, je dis pourquoi viens me voir. Il va venir me voir. Ben oui. Que je veux aussi goûter un peu ce qu'on dit même là. Tu sais quoi? Voilà les petites filles qui pleurent là. Les voilà maintenant qu'il arrête pourquoi? Parce qu'elles rêvent quoi? Elles sont tellement amoureuses de lui que. Le gars sait qu'il est beau. Il est mignon. Il sait qu'autour de lui, il ne peut pas se contacter d'une seule mouche. Comme maintenant, c'est qu'il avait tué sa première femme. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il s'est marié quand? Montez les photos du mariage. Tout ça parce que c'est de la jalousie. Les Camerounais enfin. Vous voyez un petit jeune comme ça là. Il voyage dans les jets privés. Il part à Dubaï. Il part à Bazabazabaza. Hein? Il vient ici et tout cela. Il y a les filles accrochées. Les filles accrochées sur les oreilles de ces petits garçons-ci. Les mamans même voient leur banque. Va donner la cookie. J'entends seulement. Pa, pa, pa. C'est qui? Oh, la petite fille est brune avec les poils qui poussent comme ça. J'entends seulement que. Fais-la entrer. C'est maman qui t'a envoyé les cookies. Hein? Maman envoie les cookies, hein? Assez-toi là, tu bois quoi? Le top orange. Si tu rentres vite, hein? Ta maman ne sera pas contente que tu rentres vite. Ta maman, au fur et à mesure que les heures passent là-bas. La maman est contente parce qu'elle sait que voilà une source de nourriture qui va sortir. Vos mamans vous vendent pour du pain, pain de mie. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne parlez. Hein? La fin des coquilles, si va tuer les gens, ça voilà, celle Isaac, l'autre là, Dorcas. Hein? Donc, ils ne se connaissent même pas. Isaac a fait ça par dire, ouais, voilà une femme là-bas, elle est très sympa et tout ça. Comme maman, où ça doit là, elle va se déplacer. Sa maman a fait les 4 boules de cousses, 4 boules de coquilles, ou c'est 7 boules. Imaginez comme les mamans bambées qui la connaissent, elle faisait ça avec la joie pour dire, hé, ma fille, elle est en Europe, voilà les femmes qui sont avec elle. C'est fini aujourd'hui, c'est fini comment aujourd'hui? Les injures, les portes plaintes, ça. Les coquilles, ce n'est pas bon. Comment les coquilles ont cuit un côté? En tout cas, les coquilles cuit un côté, ce n'est pas bon. Donc, laissez ce monsieur tranquille. Il est innocent. Voilà les petites filles. Regardez bien la photo que j'ai mise ici. Je m'en fous ce que vous pouvez dire pour moi. Hein. Je ne vous demande pas les étoiles. Voilà, petite fille, ce qui prie ici. Oh, il m'a fait ceci, on m'a fait ceci. Les lobes discours que Zuma te parle. C'est comme ça que Zuma te parle. Hein? Quand Zuma te parle, il y a toujours les gens qui viennent parler mal. Il s'en fout bientôt, là, il va lâcher sa page là. Pourquoi vous l'a signalé? Vous êtes obligé de le suivre à YouTube. Voilà. Parce qu'à YouTube, il va s'asseoir comme tout le monde. Il va gagner de l'argent à YouTube. Vous êtes tellement bête et idiot. Le copier a cuit un côté. Pardon, dansons-nous.
tu vois, à la wake up. J'ai parlé ma part ce matin. Les gens qui veulent entendre, entendre. La chaleur va me tuer. Maman, mets ta sieste. On ne voit même pas l'argent qui tombe, mais on crie seulement. J'ai dit, laissez ce monsieur, il est innocent. Regardez bien, mes waros. La petite fille qui embrasse ici. Il m'a fait ceci. Il m'a fait. Maman, la larme qui part dans la bouche là. Il t'a promis qu'il va t'épouser. Il va t'épouser quand il a sa femme joyeuse ou. Je vous appelle les bonnes positions. On va faire les. Ne dis que. N'entrez les Camerounais, ce sont les villageoises. Les filles de la basse, la basse cour, qui ont les achicots de la nuit, qui ont les achicots au cul. C'est bon, c'est moi qui vous dis ça. Il faut regarder les petits gens qui commentent là-bas. Ce sont les gens désespérés, les désespérados. Et lui, il est là maintenant. Il vit parce qu'à l'heure, je crois qu'il doit dormir parce qu'au Canada, maintenant, là, c'est quelle heure. Il est bien quelle heure là. Oui. Elles sont là. Et tout le monde, on va t'amener dedans. Quand on ne t'amène pas dedans, oh, on va faire ça, ma petite fille, ça ne fait rien. Si on lui fait ça, c'est elle-même qui a accepté. Par exemple, le gars, si je ne vois pas entrer, d'aller agresser une personne aux toilettes, et pour dire que tu dis, on va faire ceci. Peut-être que ça existe, hein, mais moi, je n'ai jamais entendu cette chose. Vous voyez, c'est tellement les films d'Annesfi que vous voulez jamais amener ça au Cameroun. Oui. Peut-être que dans vos familles, peut-être que vous faites, elles font la transition avec leurs frères et leurs pères, leurs soeurs et leurs mamans qui les fesses là-bas derrière pour venir parler ici à Facebook. Oh, c'est lui. Le gars, c'est innocent. Insultez-moi, vous dites que, ouais. Oui. Voilà les petites filles, elles disent que, hein. Tandis que maman, Pogba, il est 2 heures au Canada, non? Voilà. Il est parti vivre là-bas pour faire la moto. Parce que il était parmi les gens qu'on avait chassés là-bas d'Allemagne. Oui. Oui, il est arrivé là-bas. Ok. Dès que Zuma, toi, arrivé en Allemagne, au Canada, les problèmes ont commencé, mes waros. Je vous mens pas. Eh ben oui. Oui. C'est pour insulter. Bah non. Tu appelles pourquoi? Si c'est pour insulter, nous on est là, hein. On a tout le temps. Baza, baza, baza. Non, non, non. Bébé. Pam, pam, pam. On met un peu la musique, non. Vous savez, tu viens me dire que oh, que Karine m'a. J'étais là-bas hier, je l'ai lavé correctement hier. Donc, tu viens me dire ça pourquoi? Parce que tu veux venir prendre les gens ici pour les regarder. Je l'ai lavé hier, c'est là-bas au nom d'Elisabeth Degrémont. Pendant là, je l'ai lavé propre. Donc, je n'ai pas besoin que tu viennes parler de son nom ici. D'accord? Les gens, les énergumènes comme ça, les femmes boulou qui se sont ralliées au barbecue pour casser l'ambassade. Il y a le ralliement des barbecues et le ralliement ici. Une femme que son mari a abandonné parce qu'elle est venue ici, sa soeur l'a amenée ici en Europe. Karine, vis bien, toi-ci. Pas ton histoire.
Tu es venu faire quoi ici en Europe? Qui te connaît? Hein? Ta soeur l'a, sa soeur l'a amenée ici. Sa soeur vivait avec un vieux bamléqué. Elle a pu commencer à coucher avec le bamléqué de sa soeur. Hein, Bonjour. Tu ne le parles de toi? Prenez la couper la partie si vous l'envoyez ça. Cette seule chienne qui est toujours assise dans le café. Qui est toujours assise. La seule, elle était toi quand elle était ma Chantal bien ici à l'époque. Elle a quitté là avec la dent cassée. Les gars, une chienne, une femme qui aime les cestes. On t'a pris pour amener, tu es venu rester dans la maison avec le foie-ci. Commencer à binda avec tes yeux qui sont là, comme ça, qui on dirait un cadavre, qui, ou les yeux d'un cadavre. Hein, par oui, maman, tu qui te connais, moi je te connais très bien. Hein? Une fille Bafia. Tu es une fille de l'Est. Bafia. Tu serais tu ne peux plus rentrer au Cameroun parce que la famille t'a interdit le Cameroun. Est-ce qu'on t'a interdit le Cameroun, Carole, Karine Vivian, non, c'est toi-même, c'est ta propre famille. Tu as cherché une cause pour venir parler, tu peux parler de moi, tu me connais où? Je supporte Boba aujourd'hui, demain, après demain. Tu ne me connais pas. Parle de moi de ce que tu entends dans les réseaux sociaux et les asticots, ceci, je n'ai rien à foutre. C'est ma vie. Hein? À part aller aux États-Unis. Tu es allé aux États-Unis, tu voyages seul, tu n'as pas un copain. La seule pays qu'on t'a fait partie, c'est les États-Unis. Tu parles à qui? Hein? Après que tu as lâché un peu ta soeur avec son mari, tu t'es marié. Hein? Tu t'es marié avec un blanc. Le blanc est mort. De quoi? De saleté. Hein? Tu passais ton temps à être le camion là-bas dans les petits bus. Tu veux que tu pas ça? Je vais te laver, nettoyer chaque jour. Vous ne savez pas? Vous moi. On t'a dit la soirée. Quand les gens viennent bagarrer ici, si je bosse, on vient bagarrer ici en France, on te voit bagarrer. Tu ne parles plus maintenant. C'est quand tu es venu assise. On te vient, disait, l'été avec les chaque fête. Oh! Oh, les filles là, on ne se rallie à notre cause. Elles sont là. Non, on ne se rallie pas à ta cause. Parce que, hein? Je dis que qu'elle soit boule ou pas, je ne parle pas de ça. Je sais qu'elle est l'Est. Quand qui dit l'Est, dit quoi, boule non? Vous parlez de quoi? Hein, Carole Bibiane, ou c'est Karine Bibiane, ou c'est qui? Je ne te connais même pas. Ça fait combien de temps que tu m'insultes? Chaque homme que tu m'insultes. Tu nourris ton bloc de haine à cause des gens comme moi. Parce que moi, je t'ai rien fait. J'ai le droit dans les réseaux sociaux de supporter qui je veux. Je suis pas venu de partir dans votre sens. Regardez les blogs de la femme de la basse. La basse qui a la basse au cou. Elle allume ta caméra carrément pour insulter des gens comme moi. Moi, j'étais là, fait quoi? Karine Bibiane, mais mauvais. Tu que moi, je veux m'asseoir aujourd'hui là, commencer à parler de toi. Parce que tu ne m'expliques même pas, tu m'expliques la pitié. Une fois que ça regarde sa femme venir ici, là, elle tombe sur le bon pénis d'un banc. Donc, bon, bams. Tu ne rentres pas au Cameroun, pourquoi? Et quand t'es interdit que tu ne pars pas au Cameroun, parce que ta famille, on t'a rejeté là-bas. Où sont tes enfants? Chaque soir, vient s'asseoir un côté, une place. Tu parles qu'elle soit de la toile. Tu veux être star bracata. Tu veux être star bracata. Je t'ai demandé hier qu'il y a quoi? Le Cameroun joue. Toi, tu ne parles que de moi. Je supporte Pogba aujourd'hui, demain. Où c'est Pogba? Où c'est ça? Je le supporte, ce gars-ci là, je le supporte. Il t'a violé qui? Toi qui sais, ta grande sœur t'a fait venir ici. Karine vit bien ici en Europe. Tu as pris son mari. Tu vois que tu as trouvé un vieux blanc dans les camions là-bas. Hein? Tu ne faisais pas le ménage, la saleté de ça. On m'a tout dit. Tu dis, moi, je vais monter ta maison ici à Facebook. Là où tu vivais. Ton camion, c'était le camion le plus sale. Oui. Tu as oublié? Vous êtes là pour vous parler de la grande joyeuse. Oh, sale femme, elle a raté sa vie, elle a fait ceci. Mais moi, je montre quand même mes preuves. Hein. Après, je ne discute pas avec vous. Avant que vous tous vous n'arrivez ici à nous, moi, c'est Jacques qui est au Cameroun. Avec mes bars, j'avais les trucs au Cameroun. Je ne suis pas comme vous. Oh, aujourd'hui, quand même, là où ma mère vit, j'ai quand même conçu, même si c'est une vieille maison, ce n'est pas grave. Au moins, ils ne sont pas dans la maison en carabote. Montre ta part, Karine vit bien. Elle va seulement s'asseoir là-bas. L'impage est monétisé chaque jour. Je crois que vous ne voulez pas l'argent. Vous ne parlez plus de Camto. Vous ne parlez plus de Pogba.
Maintenant, ça devient des influenceurs. Tu vas parler de moi chaque jour. Je vais te dénigrer chaque jour. La dernière fois. On les a d'abord. On les a. La deuxième fois, vous allez commencer avec ma soeur là. Celle de Londres là. C'est moi que vous venez chercher. Vous n'allez pas me trouver. Hein? Ah ben non. Hein? Vraiment, on se regarde d'abord. Elle est partie de tâche la première fois. Tu as monté quoi aux États-Unis? Tu es parti où c'est? Ou à Miami où c'est? Tu as monté. Si moi je pars dans une ville, je dois monter. Que voici les structures, les monuments historiques. Ah, ça. Vous partez seulement une place. Même la plage, elle était tournée. On a donc qui arrive. Hein? Ah, mais dis donc. Ce sont les seules femmes qui n'ont jamais été. On ne savait jamais amené en week-end, même à Krimi, même à Limbe, même à Chico. Que venez pas regarder un peu la mer. Rien. On t'invite. Tu voyages pour qu'on aille monter la mer. Moi, je suis clasheuse, hein, opère. Hein. Je vous dis d'abord. J'ai mon temps. Mais là, moi, une sale chose comme ça. Avec sa dent cassée. Mais ma dent, c'est un peu cassée, ma part un peu jolie. Ta part alors. Tu, ma dent. Où est votre combat? Le combat de là, t'as des influenceurs de blogueuses et t'as. Ton combat, c'est quoi? Amazon de mes fesses. Il n'y a plus rien. Les robinets, les gens qui vous envoient l'argent sont tous en prison. Vous allez encore combattre pour qui? Vous combattez pour vos banques, non? Maintenant, allez à quoi? Vous ne chantez plus. Ah, money people, this man go kill. Fire, fire, this man go kill. Oh, mais nous tous, on était moi ici à Facebook avec vous. Maintenant, c'est moi. Vous voyez mon étoile qui est en train d'arriver. Hey, Pogba, moi, j'étais moi. Pogba, tu es innocent, un dignité du Cameroun. Qui sont les pauvres filles? C'est tout. Ce n'est pas un prédateur. Olivier Longchamp, retiens-moi. Il est prédateur plus que toi, Olivier Longchamp. Tu te connais où? Un de mes prédateurs et les femmes la brassent comme ça. Hein? Retiens-moi ton commentaire dans une minute. Une! Allez, dégage. Imbécile, vraiment chien. Prédateur, il est prédateur plus que vous là. Ça, c'est une photo de prédateur ici. Les petites filles sont là-bas maintenant. Elles voient déjà que 20 ans, 25 ans, 30 ans, elles n'ont rien fait dans leur vie. Alors qu'une comme moi, à 25 ans, j'avais déjà tous mes enfants. À 25 ans, j'avais ma vie. Oui, je peux être fière de moi, il y a des fiers. Il y a des sûrs de moi. Hmm? Avec le gros mot prédateur, il t'a prédit qui? Il a fait la prédation dans chez tes petites soeurs. T'as prédateur. Prédation, où c'est prédateur? Mon Dieu, quelle heure là? Je vais faire mon petit bomba, je vais manger. Depuis le matin, je peux manger. Fire, fire, this one go kill. Ah, money people. Il est toujours étudié. Il est toujours étudié. On connaît vos chansons ici là. Toujours et tout dit. Moi j'ai reçu mes perruques ce matin. Ils font comme si on ne connaît pas comment ça se passe. Hein? Hey! Hey, my people! This man work, man. Il fallait voir les gars. Il fallait voir les femmes là. Et vous savez que les femmes barbecues ont des très belles voix. Hein? Donc elle dit, hey, my people! This man work, man. Écoutez. Les gros barbecues qu'on a derrière. Fire, fire, this one go kill. Et on a vu ici à fait, vous êtes où aujourd'hui? Au contraire, les voilà qui fuient maintenant. Tout le monde parle. Ils parlent maintenant au pays du pays du froid. Canada dépasse la Sibérie, hein. Regarde, regarde maintenant. Nous ici là maintenant, regardez. Il fait beau. Ça donne envie de sortir, non? Ça donne envie de sortir. Vous partez entrer dans l'abîme. Avec ce que vous avez fait, on vous a répété, vous tous, viens comme un gnaque. Très bien. Karine, on comme ça. Et bien, je j'ai le droit de supporter qui je veux, c'est mon mur. J'ai le droit. Oui. Tant qu'il n'y a pas de problème des adorations de ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Pogba est innocent.
Vous venez le contraire. Toi, tu as affligé. Et ça, moi, abîmé que mien. Hein? Pour qu'on n'a pas de nez aussi. Hein? Vous voulez finir avec le petit garçon là, pourquoi? Je vous pose la question. C'est quoi? Hein? Il vous a fait quoi? Vous venez finir avec Pogba, pourquoi? Hein? Vous posez la question, Abinia Djé. Tu dis que l'homme hein? Maman Jenny Fischer, ici, va avec tes lots là-bas, soigne. Vous vous entendez les histoires. Hein? Et quand vous mettez dans les photos des filles qui jouent, les filles qui la boivent la bouche, hein? on met dans les photos, lui-même va sortir les photos là où les filles le supplient. Que fais-moi la boue ici? Vous allez faire comment? Hein? Il m'a dit, il m'a je suis avec Pogba. Pogba, chérie, il te demande rien. Hein? Il te faut chier, je t'amène à Saint-Benimant. Oui.
sais quoi, on ne doit pas se soulager. Monter à 2 balles, on va en bon vote comme ça là, ça va sortir. Quand vous faites ça, il attend, ça va sortir bientôt. Quand pour ça, ça va sortir, vous allez maintenant dire que quoi, hein? Laissez-le, justement, il a fui l'Allemagne, pourquoi? Comme ils ont les filiales. Demandez que pourquoi ils fuient tous l'Allemagne, la Belgique. Pourquoi ils se réfugient au pays du foie. C'est mon piment. Vous ne connaissez même pas. Que ce soit une histoire comme ça, à Facebook, les petites filles là, bien, quand ils vont me faire, alors ça, vous allez faire comment? Hein? Vous voyez le mariage, vous voyez la maison, le lit, bien dressé, le champagne, le caviar. Ils vous traitent comme des reines. Et maintenant, quand vous l'appelez 10 fois, il dit maintenant que non, il est occupé. Alors qu'on vous a dit que non. On a vu, il y avait telle fille, peut-être une de vos copines ou vos petites soeurs. Attention, oh, la calomnie n'est pas bien. Hein? Les gens veulent me tuer dans les réseaux sociaux. J'ai pris mon parti. Allez-y. Voilà les preuves qui sont déjà en train de sortir. Toujours la vérité, mettez un peu le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur. Peu mon petit piment. Parce que moi, je n'aime pas quand je n'ai pas de piment chez moi. Le piment que j'ai vu la dernière fois, c'était un bon piment. Ouh, le piment était. Donc, je veux encore faire ça comme j'avais fait la dernière fois. Même si c'est qu'il a fait ce que vous avez dit là, quand même, laissez-le une preuve. Il a compris l'acharnement. Je m'entourais là-bas, à l'heure si il dort. Après, il a sorti la moto. Vous partez dans le pays, les gens vont aller conduire les motos. Hein? C'est un nouveau Eldorado pour vous, il faut dire merci. Moi je suis avec lui. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il a dit que il vous a promis le mariage. Il fait sa vie. Il est jeune comme vous. Et les vieux Caracas. Karine dit bien, va au Cameroun, non? Va au Cameroun. Non, va au Cameroun, on voit. Oui. Parce que c'est le régime qui ne veut pas que tu parles. Parce que tu sais très bien que ta famille t'a régné. Tu as trouvé ta soeur qui t'a fait venir ici. Tu as pris son gars. Après, tu t'es marié avec un vieux blanc. Tu vis de quoi? Tu travailles. Hein? Et aux autres de m'attaquer, ils vont mettre ta maison, tu vas comprendre. Ils vont même mettre ton Dieu, le visage de ton Dieu blanc ici à Facebook. Parce qu'il n'y a que moi ce que vous voyez. Et te dire quelque chose. Quel combat? Le combat est fini depuis. Vous parlez encore du combat. Hein? Voilà l'autre, un menteur. Hein? Vous êtes tout simplement jaloux de lui parce que c'est un homme généreux. Il est gentil, soit avec tous vos gars. Quand je dis, tu
Donc, dès que ton cousin est parti au Cameroun, vous voulez sortir avec une belle fille. Oui. Il a dit, un des gars qui ont l'argent. Et lui, il a. Il a fait sa vie. Il a. Il a les parents riches. Hein? Les parents sont riches. Ses parents sont riches, c'est pour ça. Je vous dis d'abord à Néwaro, vous qui avez les enfants riches, les garçons bons là, et riches, ça peut vous arriver, hein? Oui. Je dis, ça peut bien vous arriver. Ça peut vous arriver, vos beaux garçons là. Ce qui arrive à ce gars, ça peut vous arriver. Que vos garçons se retrouvent dans ce genre d'histoire. Parce qu'ils ont une famille aisée. Parce que la maman sont aisés, leurs papas sont aisés, ils ont laissé l'argent. Et la jalousie commence. Ouais, dit qu'il est innocent. Il est innocent. Donc arrêtez un peu. Vous avez les enfants, non? Surtout vous qui avez les comment on appelle ça, les garçons là, non? Ça peut arriver à vos enfants, hein? On l'accuse aujourd'hui. Parce que il a une belle voiture. Parce qu'il vit au-delà de vos moyens. Il est toujours bien. Il a des gens qui aident. Et tout ça. Les gens n'aiment pas. On n'aime pas voir là où ça brille. C'est tout. Tous ces petits fils, quand il a tué sa femme. Montez les photos de sa femme, non? Hein? Oh, je dansais. Il m'a regardé. Il t'a pas bien regardé. Hmm? Hmm? Il t'a regardé. Hein? Moi, j'ai d'abord dit même qu'il était allé se garder du corps. Vous entendez? Ah bon? En tout cas, c'est vous qui voyez, hein? Il nous croit moins la voir, sinon fou.
quand vous arrivez, vous qui avez les garçons là, qui vivent en Bengla, donc, retirez-vous. Ce qui arrive à ce jeune homme-ci, innocent, un innocent qu'on veut déjà crucifier là, ça peut arriver à vos enfants. Vous qui avez les garçons là, que les petites filles là tombent amoureuses, elles ne veulent pas. Parce qu'elles connaissent les inèdes. Des gens comme les yeux mentaux. Parce que maintenant là, un lanceur d'alerte. Depuis qu'ils ont lancé l'alerte contre Paul Bureau aujourd'hui, il est où? Paul Bureau est toujours étudié aux dernières nouvelles. Hein? Quand tu es où? Méfiez-vous. Dans les petits garçons de maintenant là, faites attention aux gros quand vous allez au Cameroun. Parfait. Voilà. Et voici notre piment, bien pimenté. Voilà. Elle me donne votre Facebook là. Pour bas. Hein? Il est quoi? Il faut nous dire, dans vos familles, qui? Vous envoyez les gens à l'école, comme la dernière fois, vous parlez encore de ce qui s'est passé à Tourbé l'autre jour. Qui parle encore de Tourbé? Parce que vous savez que les enfants là ont eu tort. On a vendu les enfants là, vous allez voir le Cameroun va gagner. Vous êtes dans la négativité. Les Camerounais, tout dans la négativité, vous tous. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Jamais. Vous avez le diplôme. C'est votre problème là-bas. Vous êtes sûr que vous avez vraiment le vrai diplôme là, les diplômes frelatés là. Les diplômes frelatés que vous avez là. Hein? Si même ici en France, on parle de ça. Ou c'est Atal, ou c'est quoi vous? On dit qu'il n'a jamais eu le bac, il n'a jamais eu quoi. Imaginez alors le Cameroun, le nombre de gens qui disent qu'ils sont là à l'université. Le nombre qui allait à l'université au Cameroun. Tout le monde allait à l'université, hein. Et tu me disais que tu pars te placer quand les universitaires sortent. Déjà que dans l'université, c'est d'abord ouvert. Parce que les élèves n'ont pas les mêmes horaires de cours. Il suffit de prendre ton cahier. Quand depuis, tout est frelaté au pays. Même les bulletins de salaire, même comme ici, même les bulletins de bac sont frelatés. Hein? C'est à cause de ça. C'est pareil comme les enfants qui ont eu le bac de 2000, le bac de Covid-19 là. Vous allez montrer quel bac au champ. Vous êtes obligé de refaire le bac. Parce que, ma fille, yango, ma fille vient d'avoir le bac. J'ai dit, quel bac vous parlez? Le bac de Covid-19. Bah. Et vous étonnez? Donc, il fallait qu'on attende que le Covid-19 arrive. Pour que vos enfants aient le bac, hein. Allez travailler alors avec le bac là maintenant là. Vous dites quoi? Le bac on a donné cadeau. J'ai combattu ceci à Facebook jusqu'à que les enfants, les gens comme ça enlevaient les photos de leurs enfants. Que ça criait partout. On a dit que bon. Comme les enfants se sont préparés et tout, on va quand même évaluer un peu ceux qui ont quand même eu le bac. Ton fils échoue le bac blanc. Et c'est le bac là que le vrai bac là que nous va gagner.
On a peut-être donné aux gens qui ont quand même eu le bar blanc. Les nouvelles choses là, on connaissait ici. Oui. Je vous ai dit que en 2023, 2024, si, nous tous sommes venus dans les clashs ici à Facebook. I am the prêt. What else? Lady, c'est comment? Je t'appelle tout à l'heure. Hein? J'ai fait de mon petit. Ça veut dire que comme janvier, quand vous voyez à manger le tilapia, ça veut dire que janvier c'est très dur. Janvier ça. On ne dit pas que le tilapia n'a rien fait. Vous n'avez pas compris mon truc. Le problème c'est qu'il y a un problème ici à Facebook, c'est que quand le problème sort comme ça là, voyez les petites filles là maintenant là. Ils ont fait ceci, ils m'ont fait ceci. Que des périantes dans les coloris. Lui maintenant, alors comme il vous a bien filmé, il va maintenant vous mettre ça à Facebook. Maintenant, vous allez dire que quoi? Hey! Et là, celle-ci, là, comment la fille si attrape la joue de Bokuda. Hein? Et c'est elle qui vient pleurer. Hey! Vous qui avez les garçons là, méfiez-vous. Vous comprenez, non? Vous qui avez les garçons, méfiez-vous, je vous le dis en vérité. Ce qui arrive à Bogdassi, c'est parce qu'il est dans une famille riche. Vous comprenez, non? C'est tout. Moi, je vous le dis. Ça va, ça c'est un début. Maman, tu entends comment il fait que. Il faut voir quand elle parle à TikTok. Maman, quand elle tape les moustiques ici, dans les carabottes. Il y a personne même quoi me tue quelque part. Maman. Maintenant, vous allez trouver alors des killers. Vous voulez encore vous plaindre dans les réseaux sociaux. Moi, je vous dis, vous qui avez les garçons là, méfiez-vous. Et que vous ça peut arriver à vous là. C'est à notre époque, alors on allait dire quoi? Ha! Mon ancien show là. Je vais permettre de parler de son nom ici, si vous savez ce qui s'est passé à l'époque. Tu m'as dit, maman, la belle vie, quand tu pars comme ça, tu peux me dire que, père, le jeune, père, ton billet, c'est mon père. Tu m'as dit, de m'a dit, c'est dans quel pays même là? Le pays des milliardaires là, non? De Alexis Karen, ton animé, elle aimait souvent aller au Maldives. C'est un petit pays, non? De Maldives là. Elles sont prêtes à tout pour la belle vie. Mais quand ça leur hôte, on vient crier sur Zumanto. Zumanto, que lui-même, il a déjà fui l'Allemagne pour aller s'exiler au pays du foie de vent. Parce que moi, j'appelle le pays là que le pays du foie de vent. Parce qu'on appelle le Canada que le pays du foie de vent. Si vous ne savez pas. Là-bas, il y a les Esquimaux, hein. Les Esquimaux. Tu fais ça comme cela. En dehors de Facebook. Tu vas encore parler avec qui? Vous ne remarquez que ce bâtard de Zumanto depuis qu'il est parti au Canada, là-bas. Maman, profite-toi de ma vie, vous. Depuis qu'il est parti au Canada, allez s'il dort. Quand il va se réveiller là, il va recommencer. Parce qu'il s'ennuie. C'est mon petit Ndomba. Une place, pas deux places. Le bon continent, le prestige, la classe. Je vais vous déranger ici, après vous me connaissez, donc quand il dit les dérangers après, je vais vous déranger, vous allez dire non. Non, il n'est pas en Algérie, il est à
Mais il vivait d'abord comment? Il vivait d'abord où? C'était les gens qui cassaient dans l'ambassade, non? Zimante, oui. Il vit en Allemagne. Donc vous ne le connaissez pas? Non. Il ne vit pas en Algérie. Non. Il vivait d'abord en Allemagne. Il est maintenant au pays du froid, au Canada. C'est parce que depuis qu'il est arrivé là-bas, il se sent seul là-bas. Il faut bien que quelque chose arrive, c'est tout. Vous me parlez de quoi? Vous ne connaissez rien, vous venez me tenter. Laissez-moi préparer mon domba. Le domba de la gloire glorieuse. Non, non, non. Et vous ne connaissez pas du manteau. Ce sont les cafards d'ambassade. Il est parti conduire sa moto là-bas au pays du froid, les vents. Parce qu'on appelle là-bas. Il fait tellement froid là-bas au Canada que même la Sibérie est petite. J'espère que le froid là-bas va t'assommer quelque part avec ta moto. Bâtard. C'est vous qui, je vous dis que c'est vous qui avez les garçons. Oui. Imaginez que vous envoyez votre garçon au Cameroun, que vous avez les maisons là-bas, il parle, vous créez une société, votre garçon gère la société. Il a une belle voiture et tout ça. Maman, on va faire la même chose que Ponda. Mais il est comme une mouche. Hein? Les enfants des riches, elles sont comme des mouches. Quand ils sortent même, parfois tu les gars, tu m'as comme ça que parce que tu aimerais être à ta place, tu demandes que les enfants se sortent où, pourquoi, et ils sont comme ça dans les grandes voitures, il faut les voir. Les enfants qui ne sortent jamais, tu les vois seulement, là même dans la voiture, on les dépose à l'école, on dit à quoi les chercher à l'école pour les entrer chez eux. Acceptez ce qu'on dit là. Moi je vous dis. Les condiments. Ah, le magic c'est la mode d'envie. Oui. Mais que c'est la jalousie, mais voilà, la jalousie. Oui. Parce que quand elles sont jeunes, les galettes, elles veulent déjà qu'on les épouse. Elles vont venir essuyer même, essuyer la maison de la mère, essuyer, manger. Le gars là, il passe son temps, il prend l'argent où? C'est un fait, man. Vous connaissez la famille là, bon là. Afrique Constitution, hein. Oh, il est violent. Il devient violent. Quand ça ne va pas. Hein? Mais quand il était avec vous là-bas, il n'était pas violent. Hey! Un bon client. Il finit avec vous, il vous paye le taxi. Massa. Il m'a payé le taxi, il a fait ceci. Ok! Beaucoup d'acteurs me disent. Je te supporte, mais tu es un gentleman. Hein? C'est pour ça que moi je t'aime. Les pleurs du mollet à Facebook. Condiment, mais c'est pas ça, pas ça, pas ça. Domba ancestral, Balwarios. Le bisou n'est pas violent dans la photo aussi. Regardez, tiens la photo aussi. Ça, c'est une preuve, non? Maman, c'est elle qui fait. Bourda. Un dommage collatéral. Dommage collatéral.
garçon, hein. Je te dis, attention d'être. Je viens pour le Zabar de Mio. Le bon que vous voyez, hein? Là, maintenant, le bisou n'est pas violent. Le bisou n'est pas violent de tout, si. La carte de Zomba, c'est que... Les Waros, quand tu manges ça, passe ça. Tu ne veux pas qu'on vienne toquer à la porte. D'abord, on dit que tu veux mettre la porte chez moi ici, personne. Regarde, est-ce qu'il arrive là-haut? Ça peut arriver à vos garçons, oh. Ne laisse pas le conversation de Facebook. Je veux que qui vivra, verra. Qui vivra, verra. C'est moi qui vous dis ça, le Wano. Ne riez pas. Donc arrêtez. Vous tous là qui avez insulté ce garçon, ce jeune garçon-ci, méfiez-vous. N'entrez pas dans une histoire qui n'a ni que. Quelqu'un va amener sa page. Quelqu'un a fait du mal. Mais il y a les gens compétents pour l'arrêter au Cameroun, non? Où sont d'abord les preuves? Parce que moi, je suis tombé, moi j'aime les preuves. Hein? Les gens sont là, le foie veut les tuer, la maison, la famille veut les tuer. Ils ne mangent pas comme Pogba. Ils ne sont pas beaux comme Pogba. Hein? Ils ne sont pas charismatiques. Pogba prend tous leurs petites copines au quartier. Nous tous, on a vécu avec ce genre de personnes. Surtout les enfants des riches là. Mais oui. Il faut faire attention. Hein? Pogba a pris leurs petites copines au quartier. Toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Hein? La petite copine tombe enceinte. C'est la famine. C'est la famille qui commence à payer. On te chasse même. Et tu ne veux pas suivre Pogba. Quoi? Moi-même, je suis Pogba. Ouais. Mais oui. Le Cameroun connaît Sali. Yeah. On appelle cela salissure. Le pays là. Hein? Tu vois, bientôt on va laisser Pogba. On va prendre quelqu'un d'autre. Hein? Oui. Surtout vous qui avez les garçons là. Hein? Et Namongo, on va lui faire la même chose, tant mieux. Si on lui fait ça, c'est peut-être qu'elle aura besoin de quelque chose. Si Namongo, on ne jouait pas avec ce genre d'individu, peut-être qu'elle est amoureuse, c'est tout. Est-ce que Namongo, c'est une petite fille qui va manquer quoi que ce soit? Hmm? Elle va manquer quoi? L'argent, la nourriture pour manger, les vêtements. Vous ne voyez pas ce genre de personnages qui parlent chez Bourba? Ce sont des filles démunies qui ont cru à l'amour. Elles sont toutes tombées amoureuses dans. Toi-même, tu n'es jamais parti, tu es un homme, un jour, tu dors seulement avec lui. Tu tombes amoureuse. Hein? Tu tombes amoureuse de ses biens. Et les Wallows, tu es prête à tout pour ne pas sortir du lit. C'est quand le matin arrive alors qu'on te dit réveille-toi, je dois aller au travail. Oui, il te dépose quelque part dans la bouche du métro, quelque part. Mais dans les taxis. C'est là que tu vois, là, tu descends la réalité. Alors que la veille, hein. La veille, c'est peace and love. Nous, tu vois un homme quand tu dis que c'est un homme à femme, toi tu vas mettre ton cœur là-bas dedans. Mais comme aussi le cœur aussi a ses raisons que la raison ignore là. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Des dis donc, super ce matin.
Fanny, ça arrive, tu te tombes amoureuse de Pérégrine. Voilà. Le Ndomba ancestral by Wallace. Il fait beau aujourd'hui. Je peux m'aller voir en vers les Champs-Élysées aujourd'hui. Dans 10 minutes, c'est cuit. Oh là là. Ndomba by Warriors. Warriors. C'est de ça qu'il s'agit. On ne sait jamais. Les temps sont durs là. Ça, c'est le poisson que ma fille m'avait acheté. Quand je l'appelle, elle me dit Alice, tu viens venir à manger à la maison. Pourquoi tu la nourriture, hein? Alors, fais comme moi, maman. Mais on n'a jamais jeté quoi que ce soit. Vous le suivez, vous remettez seulement, vous lavez, vous mettez au frigo. Parce que l'année 2024, c'est comme si c'est l'année qui va être dure. Hein? C'est bizarre hein, cette année. Hein? C'est vrai que moi je ne dois pas boire le vin glacé. Gazerovia. La paix de l'esprit. Avec Bourba. Bourba, je suis avec toi. Je te connais pas. Je ne veux pas te raconter un jour. Je te soutiens pour rien. Il faut quand même que je te raconte à toi là. Hein. Pour un verre quand même. C'est de la préparation de la paix. Ouais. Besoin d'une bonne bouffée d'air frais. Ouais. Pour la bouffée d'air, je pensais plutôt à Lucas. Finissons d'abord avec celui-ci. Notre prince Eyango, de Konsamba, notre montagnard. Pourquoi? Avec toutes les belles beautés qui sont comme, il est parti prendre une indienne de Malga, ou c'est Malgadesh. Parce que sa femme, c'est une indienne, hein. Vous le savez, vous? Le savez. Pourquoi aller chercher là-bas? Après avoir promis les promesses de mariage. Vous savez ce que le type a fait au pays? Finalement, il a choisi. Là, il va prendre son chakra. Dans l'Himalaya, il va aller voir. Comment on appelle le type là? Celui qui a la tête rasée là, comme ça là. Mais l'Himalaya là-bas. Voilà les mêmes gens. Notre Joséphine Bayang, la milliardaire, est tombée amoureuse de lui, d'éléments se sortir à Facebook ici. Mais oui, ce sont des hommes qui s'en foutent, ils savent qu'ils sont aimés. Hein? Ils savent qu'ils sont aimés.
Vous avez déjà vu un homme épouser une indienne? Lui, il a épousé sa part d'indienne. Vous le savez à Facebook? Vous, là, vous ne connaissez même pas pourquoi les raisons à laquelle les gens se comportent ainsi. Vous ne savez pas. Vous ne vous posez sur les réseaux sociaux. Hey, il a dit qu'il a dit que celui-ci, alors moi j'ai mes copines, je connais, que celui-ci a détruit. Depuis qu'on s'en bat, j'ai quel âge? Si j'ai 48 ans, lui peut avoir quel âge? Hein? Il parle de la soixantaine, 70 ans, comme vous voyez les types là. Oui. Moi j'ai des temps petits, quand on s'en bat. On entendait parler de lui quand il était encore à 100 mm et tout ça. Vous les mêmes gens. Les decks champagnes sont là, les mêmes gens. Les amotes, Abaza, tout ce monde-là, ils sont dans le même lot que ce monsieur. Pourquoi on accuse ce monsieur? Il y a les filles, dès que les filles savent que tu as un peu d'argent, elles viennent s'accrocher dans tes oreilles, on dirait des puces. Elles ne veulent pas se décrocher. Tu fais tout, tu grattes, même tu enlèves, c'est toujours là. Ils ont déjà pondu leurs dans ta vie. Regardez tous ces femmes-là qui parlent à Facebook. Leurs femmes sont de qui? Les femmes sont de la même ethnie que eux. Non, c'est une soit Bamileke, soit un peu. Eux tous se sont penchés côté de Bamileke parce qu'elles sont soumises. Si tu vois une femme qui épouse sa soeur, voilà ce que vraiment c'est. Là, elle a leur dossier jusqu'à parce que ceux-là, ce qu'ils font, les Bourganjanga. Moi, voilà qu'ils sortent dehors là. Je veux les aligner comme ça, je m'en fous, je finis avec toi, tu me parles, je te mets à Facebook. Je me connais. Mais moi, vu mon âge, je suis agréable, je n'ai plus envie de faire ce genre de choses. Pourquoi je n'ai jamais même fait ce genre de choses? Vous accusez ce gars, c'est pourquoi? Arrêtez! Lui-même si. Pourquoi il est parti épouser une Mangadesh ou c'est Manga quoi? Une Indienne. Et laissez. C'est tout le monde, toutes les femmes qui sont tombées amoureuses de lui. Les femmes vendaient, les femmes quittaient leur mariage pour lui. Mon sous-calculé que vous voyez ici. Le mon sous-calculé, c'est à faire du mal. Qui parle de ça? Voilà votre Joséphine Bayan avec son avec le dans la bouche. Tu vois que son mari a même les cartes bleues, elle ne pouvait plus aller faire les courses dans les machines tout avec, à cause de lui. Il y a des gens comme ça qui disent, maman, ma place c'est Bourba que moi j'ai choisi. Justice pour Bourba. Justice pour Bourba, de Bourba, tous les gens qui le camionnent là, vous devez aller en prison, vous tous. Une petite prostituée à deux balles. Voilà un ici. Jusqu'à aujourd'hui, il fait crier les femmes. Maintenant, sa nouvelle maison, c'est étourdi. Vous voyez que ça sort dans ma bouche. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention. Parce que moi, j'ai vu l'acharnement de ce gars, c'est qui m'attend, c'est qui? On le prend, le caricature, Zuman, toi, là-bas. Maman, le Kongosa de ça, Facebook est devenu une plateforme de Kongosa, de nauséabonde comme vous. Moi, je mets sa photo. Une personne qui vient faire pas, je te bloque. D'ailleurs, ma partie aujourd'hui, dans la musulmane, tout même là, je ne comprends plus voir les inepties que les gens viennent raconter là-bas chez lui. Je bloque. Vous oubliez, Zimanto, les gens qui quittaient l'Allemagne pour venir casser la gueule ici, les gens qui étaient en train de taper pour lui ici dans les dents, qui voyageaient partout. Vous avez oublié? Mais pour oublier tout là-bas, moi c'est vous qui êtes humain tout. Un petit bâtard. Boza, il y a qui a Boza. Il est venu rester ici en Allemagne. Il a fui là-bas. On a commencé à le menacer là-bas. Il a fui. Il vit où au Canada? Et vous me dites qu'il vit en Algérie? L'Algérie, non, on n'a pas le même. Hein? Moi, vous voyez ici, moi je veux combattre ces gens-là. Ils sont tous nombreux ici. Quand tu es beau, tu as de l'argent. Et puis maman, bien noir avec anti avec une bonne voiture anti, ils ont leur tour de prédication. Ils passent souvent se garer dans Azepol. Ils gardent ça avec Azepol. Quand ils voient une petite fille sortir, ils sont aussi derrière toi. Tu entends seulement que quand tu veux sortir l'argent pour payer les lait, les pains et tout lui il paye pour toi. Tu dis merci tonton. Il te dit ne m'appelle pas tonton. Tonton de quoi? Oui, moi je fais souvent ça. Moi je fais ça naturellement parce que souvent quand il arrive à Azepol et que j'ai envie de manger, peut-être j'arrive parce que moi, comme je bois souvent beaucoup, il me faut souvent le lait demi écrémé. Vous voyez pas quand j'arrive, je vois qu'il y a du monde devant vous, je dis, écoutez, moi je peux c'est combien, vous savez quoi là, voilà 15 000, moi je vais seulement passer devant vous payer
mon lait demi écrémé pour voir, parce que quand vous avez mal à l'estomac, au sang, à l'estomac, il faut toujours boire le lait demi écrémé. Vous dormez, c'est fini. Vous buvez ça une seule fois dans votre vie, hein. Ça ne revient, vous n'aurez plus jamais mal, même à l'estomac. Ce que moi j'ai fait, quand j'allais dans la poissonnerie, je vois qu'il y a des gens devant moi. Maman, je vois là, je regarde d'abord leur. Je vois deux poissons, trois poissons, quatre poissons. Je dis, écoutez, bon, moi je suis pressé, moi je veux payer vos poissons et tout. Je sors 50, je paye tout le monde. Je donne, je dis, voilà. Je paye, je pense que. Parce que je ne me vois pas entrer. Ici, mais, ici, je me mets à rang, je ne veux pas me mettre à rang dans une poissonnerie au Cameroun. Ben oui, c'est comment? C'est pour ça que moi, au Cap, là-bas, quand je dis qu'il faut marcher, ma mère ne veut pas. Okay? C'est ce que je vais faire des salakas. Mais oui. Moi, je fais ça. Je suis une femme. Mais eux, tu ne peux pas être. Voilà les petits. Regardez les nouveaux clips de maintenant là. Ce sont les filles de quel âge qui dansent ce clip là? 16 ans, 15 ans. Pourquoi ne pas sensibiliser ces hommes là? Regardez les petites qui dansent maintenant. 20 ans, maman, tu es un vieil au Cameroun. 15 ans, 16 ans, elles sont là. Elles montrent que les formes. Comme moi, elles montrent ma page. Moi, après, elles montrent ma page. Tu es une vieille femme. Ah oui, j'ai 48 ans. Hein? Ah bah oui. J'ai 48 ans. Bien compté, bientôt 49 ans. L'année prochaine, j'ai 50 ans. Ça, c'est vrai. Et puis, vous et moi, on est pareil. Vous ne voulez pas parler à vos enfants. Hein? Une petite fille qui passe. Elle voit que les parents sont assis. Hmm? Elle quitte la chambre de la serviette, elle passe devant les gens. C'est normal ça. Et quand ça va arriver, on va dire que quoi? Que c'est tu qui as violé? Non. Il y a certains. Maman, je m'en vais voir ma copine, elle en passe sa main. Elle fait tout pour que vous regardiez ses entrejambes bien. Et les hommes regardent. Et vous croyez que quoi? Vous allez voir le lendemain. Les hommes vont commencer à venir rendre visite à la maison. Ma mère, ouais, je passe dans le quartier. C'est comment non? Il y a une bière. Viens alors. Tu as dit, mon fils, il n'y a pas la bière. Ma mère vient alors, mon tu vas au carrefour, Zoua, au carrefour, ça. Tu viens t'asseoir là-bas. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre ta propre fille. Elle ne sait pas. Il faut les voir là-bas. Elles sont en train de discuter. Elles ne veulent même pas, la plupart d'entre elles ne veulent même pas se marier. Nous, on avait des rêves à l'époque. Il n'y a plus de rêves au Cameroun. Les rêves, c'est seulement de mettre les longs ongles, les cils. Mettre les cheveux les blancs sur la tête, se maquiller, venez à TikTok. Hey! Et vous venez crier les réseaux sociaux, je ne suis pas d'accord avec ça. Insultez-moi comme vous voulez. J'ai raté ma vie, mais moi je vois la tour Eiffel. Je vois le soleil, le vent devant moi. Vous voyez quoi, vous? Et les femmes qui ont des enfants là, vous qui avez des enfants garçons, que vous avez les moyens là, me fiez-vous. Ici, j'ai déjà vu comment on a tué toi ici. Parce que les petits garçons ont été, enfin, ils étaient dans le milieu de drogue, de violence et tout. Comment on dit là? On les a tués ici là. Ici, c'est. On ferme la bouche. Pourtant, ça existe. Voilà un comme il a sacrifié là-bas. Vous n'allez pas sacrifier Bogda. Il n'a rien fait, il est innocent. Vous mentez. Je vous vois venir. Vous avez les garçons, non? Regardez ce qui arrive à Bogdala. On va accuser un de vos enfants que c'est lui qui fait la même chose. Parce que, en ce moment, les gens veulent enrichir leur page des huit manteaux, des néfesses. Regarde mon petit bâtard, un couillon. On va nous pied, un pied plat. Quand il commençait, je connaissais encore insulter. On a un liste l'ombre. Voilà. Il vient vous pondre des inepties dans les réseaux sociaux et vous croyez à ça. Voilà les photos qui sont sorties. Toutes ces petites filles-là qui sont sorties, il m'a fait ça. Les voilà. Lui aussi va sortir. Non. Bogda. Lui aussi va sortir sa part. Vous allez voir comment les petites filles sont en train de pleurer au téléphone. Oui, je peux venir te voir, tonton. Je peux venir. Tu vas voir. Maintenant, vous allez leur faire comment maintenant? Vu que tous ces hommes d'affaires que vous voyez dans les réseaux sociaux, quand ils partent au Cameroun, et qu'ils vont prendre. S'ils sont assis avec moi, ils me prennent déjà comme leur soeur. Qui va me dire, on va coucher ensemble. Non. Au contraire. Tu n'as pas une petite là que tu connais là. Hein, la veuve, on sait que tu as des hauts forts. Voilà mon. La veuve des hauts forts, tu veux une petite là que tu connais. Ils vont faire comment? Si je dis que, ah, il n'est même pas en attendant qu'on m'envoie quelque chose en Europe.
Tu peux voir de n'importe qui là-bas. Je tiens une petite fille qui vient. Eh, ma, on part où? Elle t'amène. On part. Ouais. Et c'est moi qui arrange les prix. 200 000, 300 000. Peu importe ce qu'on va te faire là-bas. Tu sors là-bas, tu fermes ta bouche. Je sais pas, tu niaises déjà. Oui. Tu prends 150, mais tu lui donnes. Elle va oublier le mal qu'elle a eu partout. Elle va commencer à sauter pour l'argent qu'elle a eu. Mais c'est facile de faire ça. C'est très facile de le faire. Mais moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Mais moi, je connais les réseaux. Hein. Vous voulez, même, venez me voir, je vous donne ce nom. Vous allez vous avouer là-bas avec eux. Vous ne savez pas que les gens, une petite fille qui connaît déjà fait des lèches, avec la langue. Une fille qui connaît déjà sucer l'anus, qui sucer là devant. Et qu'est-ce qui va encore changer là que Bourba a fait? Hein? On ignore quoi? Laissez l'histoire si tranquille. Je veux sortir dans l'histoire sur chaque chose que tu as créé. Non, on peut faire la part, tout ça, non. C'est même elle qui propose, hein. Et lui, c'est un vicieux, il fait quoi? Il fait regarder, il est content. Il se branle de l'autre côté. Il y a quoi? Combien de parties, moi, j'ai fait dans ma vie? Donc, arrêtons. Maman, moi, Jean, et quand elle parle, elle saute pourquoi? Parce que peut-être Boba, peut-être qu'il a déjà trouvé une future fiancée qui va se marier bientôt. C'est sûr que Boba va se marier bientôt. C'est sûr. Parce que. Ouais, quoi, c'est maintenant que ça sort. Autant de. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ouais. Ok. Chaque jour. Oh, épisode 25, épisode 62, épisode 65. Les petits filles sont là-bas. Hein. Elles viennent raconter. Pourtant, c'est une histoire faux. Les histoires fausses. Elles viennent raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Tu ne les entends jamais. Et comme tu m'en te connais souvent, toute maman. Et maintenant, quand tu parles déjà de toi, après quelqu'un vient écrire en bas que non, il faut aller, si tu veux suivre la fin de l'histoire, hein, il faut aller sur YouTube. Il faut aller sur YouTube. Ma maman, allez. Parce qu'il est en train de monétiser sa page à YouTube là-bas. Pour le Congo, ça. Continuez à aller commenter, c'est vous qu'on va arrêter, hein. C'est vous qu'on va arrêter. N'est pas votre que c'est un maquisard. Hein? Quand il va vous. Moi, je suis d'accord que. Mouf. Tous les gens qui ont commenté là-bas mal. Tous les gens qui ont calculé. Maman, vous tous, ils vont faire ça dur. On vous tape. Même si on ne vous tape pas. On arrête même vos mamans vous tape. Parce que faire ce que vous sentez faire à ces garçons, si je ne comprends pas. Voilà où on se calcule ici. Il n'a pas voulu épouser une femme camerounaise parce qu'elle épouser une indienne. Une indienne. Et Yango. Voilà son consentement. Il n'y a plus de route à Consamba là-bas, alors que c'est lui qui est au gouvernement là-bas. Il ne peut pas dire qu'on veut arranger pour Consamba. Parce que Consamba, c'est sa terre natale. Consamba est déjà envahi par les bandeke, par les bagante. Il ne dit rien. On va faire comment? Dans la vie, s'il faut faire attention, moi je peux parler beaucoup de choses. Pardon, mangeons notre ndomba. Moi je mange avec le pain, je n'ai pas envie de préparer le poisson de tout. Ils se contentent. Ces enfants mangent avec Benda Bia. Vous allez dire quoi, maman? Il est maintenant, il part étouffer quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Nous, on est là. On voit. Voilà. C'est bon. Alors là, ça vous manque.
Moi, je suis top dans la cuisine. Quoi, les mêmes gens? Vous savez combien de gens, combien de femmes ont pleuré sur ce monsieur? Pleuré? Je vous demande. Est-ce que vous savez combien de gens ont pleuré derrière mon sorcier? Je m'en suis calculé. Voilà ces filles qui sont déjà. Les filles déjà grand-père aussi. Si vous voyez ces filles ont épousé qui? Les Bourba. Les mêmes gens. Les grandes familles. Mais oui. Maintenant, tout le monde voit midi dans sa porte. Les petites filles si ont été amoureuses de Bourba. Ils ont été ceux qui vont être épousés. Pour les tuer. Pour qu'ils n'épousent plus la fille d'un milliardaire là-bas au Cameroun. On va maintenant tuer qu'il a une mauvaise réputation. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il est très doux. Tu penses, de toute façon, lui-même, il est riche. Très riche. Les petites filles, je les connais très bien. Insolentes. Quand elles ont fini de bas, maman. Elles sont prêtes à tout. Elles boivent on appelle tout là comment? Les ballons là. Avec les lions là. Vous connaissez les ballons là, non? Quand on gonfle avec les lions là. Et après, moi. Il faut voir comment ils vomissent partout comme des merdes. Quand on filme les histoires là qu'on appelle ou c'est la chicha. Là, fumer souvent qu'un hein? Tout blanc. Toi-même. Sa fille s'est fiancée avec un gars de Consamba. Elle vient d'avoir un bébé. Celui qu'on appelle Yangola, qui s'appelle aussi Yangola. Ils sont de quelle famille? Tu vois la fille de DJ Yangola épousant pauvre? Demande la famille, parce qu'il y a beaucoup de familles riches là-bas en Consamba. Ils sont de quelle famille? Il est doux. Le fils qu'on voyageait en première classe. Dans les airs. Allez, tu. Dis-nous. Dis-nous. Je veux bien croire que. Oui, ils se sont mariés. C'est un pauvre. Il vit dans les carabottes. La plus petite, hein? Moi, je vous dis, ils sont très doux. Non, 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 tu vas entrer dans la vie. Parce que c'est toi qui viens dire ici là que la petite s'est mariée avec. Ou la petite, les petites filles qui ont grandi avec Brenda Bia dans le palais là-bas à Washington. Et quand les anniversaires, c'est des milliards qui tombent. Donc, viens nous dire, tu ne voudrais pas se marier avec un pauvre? Arrêtez un peu, hein? Toi-même. Parce qu'en conservant, les beaux sont les plus pauvres. Hein? Mais oui. Mais oui. Donc, tu me dis qu'elle se marie en conservant. Est-ce qu'elle se marie avec un enfant d'un bambiné là-bas qui est milliardaire? Parce qu'il n'y a que eux là-bas en conservant. Enfin bref, les vies ne m'intéressent même pas. On parle de Bourba. Je dis que quand vous accusez Bourba qu'il a fait ceci,
Au Cameroun, quand tu es musicien, Cameroun, tu es famille de, et que tu es féman, ou que tu es entrepreneur, maman, les femmes s'accrochent dans les oreilles. Oui. Elle est fiancée à qui? Après, moi, j'aime quand vous venez avec moi, j'aime les détails. Je suis une influenceuse blogueuse d'État. De mon État. Vous ne pouvez pas venir salir un gars comme ça. Je montre chaque jour. Épisode 25. Et comme vous êtes tellement bête, il faut lire l'économie qu'il met là. C'est les mêmes histoires qu'il met. En fait, c'est les mêmes histoires, sauf qu'il change un peu les, il change un peu les petits mots. Il déplace les mots. C'est la même personne, c'est la même histoire. Il m'a fait ceci. Il m'a suivi aux toilettes. Et comme il était avec ses gardes du corps, il me regardait avec un visage doux. Mais le visage... Comment on peut te regarder avec les yeux doux? Et le visage qui est dur. Hey! Non. Donc, vous le gars là. Est-ce que vous remarquez, c'est la même fille qui parle, hein? Oh, comment on ne sait pas? Donc, je regarde avec les yeux doux. Bon, je fais un peu l'expérience. Bon, je comprends pas. Comment on peut regarder quelqu'un avec les yeux doux et le visage dur? Et Jésus m'a tout mis ça dans sa page. Et les gens quoi? Il a bien les moyens. Il a quel âge pour avoir les moyens? Parce que c'est toi qui amène l'histoire ici. Quand vous venez qu'on parle des gens ici à Facebook, toi-même, tu n'as même pas d'avoir de photo de profil. Tu es là. Nous, on parle de choses de. De bon, bah, toi, tu viens parler que. Il a quel âge? Son copain, il a quel âge? C'est vrai que les jeunes entrepreneurs au Cameroun, ce sont des fils de, des filles de. Donc quand tu viens avec une histoire comme ça, d'abord, viens d'abord nous parler de toi-même, qui tu es. Parce que tu parles dans le noir là, on ne te comprend pas. Moi, je suis en train de parler de Bourba, toi, tu ne fais que parler de la fille de Monsoukalpilé. Pourquoi? Tu veux qu'on fasse sa pub, qu'elle va se marier bientôt? C'est intéressant. Ça intéresse qui? Ça nous intéresse. Toi qui viens avec l'histoire ici. Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Nous, on est avec Bourba. Mais la pimente n'est pas fort. Mohamed, je dis que je vais laver à ce moment, je vais laver comme c'est toi qui parles. Tu as créé ton faux profil. Dès que tu attends qu'on lave quelqu'un là-bas, je suis une star, elle peut me laver. Elle n'est pas star. Donc si elle veut se faire un nom de la veuve joyeuse, c'est ton problème. Je dis que je vais dire ce qu'elle veut dire. Qu'elle veut filmer son vieux mari. C'est tout, tu attends, non? Tu attends? Comme tu es là pour venir dire que, oh, Karine a été te laver en ce moment. Il faut donner aussi dans quelle page elle me lave. Donc,
pour me tuer, tu dis que Karine est en train de laver en ce moment. Tu vas aller regarder, elle ne me lave même pas. Donc, James Mohamed, tu es proscrit ici. Hier, elle m'a lavé hier. Je suis parti là-bas hier. Il est lavé propre. Tu entends, non? Donc, ne viens plus jamais dans ma page. Moi-même, je regarde que j'ai beaucoup de comptes dans ma page. J'ai beaucoup de comptes. Ta vie, c'est ce que je me dis que on t'a lavé là-bas hier. On ne connaît pas ton visage. Tu es comme la fille, une trombone ici. Trombone ici. On ne vous connaît pas. Les hackers des réseaux sociaux. Donc, maintenant, tu es venu. Oui, c'est pas bon, mais t'es venu, au revoir. On te bloque pas, tu ne sais rien. Donc, James Mohamed, tu es proscrit. Chez moi, c'est comme ça. Je voulais tuer comme pas des gens qui n'existent pas. Un peu fait que, oh, la bouche, je vais en train de te laver là-bas. Voilà. C'est ça. Qui de vous m'a dit bon appétit, la veuve? Personne. Nous donne à préparer ensemble. Les piments, mais pourquoi mes piments sont devenus très bons comme ça? Mon piment, c'est bon jusqu'à. C'est comme si c'était une sauce. Mais fiez-vous quand vous avez les pages, hein. Les gens qui ont les faux comptes là. Tel a dit que. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire tel a dit que. C'est quand tu prononces seulement son nom. Écoute encore. Parce que maman. C'est chaud. Elle veut t'a lavé jusqu'à. Non, après il va dire que non, elle a effacé, putain, ce n'est pas vrai. Donc moi, je dis que moi, l'année 2024, si. Vous savez aussi que le tilapia a beaucoup d'odeur. Donc, non, mais il y a un tilapia. Il faut tuer tous les ingrédients. Ah, mais ça. Ça efface l'odeur. Mange mon tilapia sans partage. Les jours merveilleux. Les jours merveilleux. Yo. Avec Pogba. Parce que c'est vous qui avez les garçons, oh.
On ne va afficher vos garçons ici à Facebook comme on affiche pourquoi. Il suffit qu'un petit voyou du quartier qui est pauvre n'a pas l'argent. Et la fille dit que elle est amoureuse. Qui ne veut pas de toi parce que tu es pauvre. Elle va partir. Après, vous allez partir pleurer chez lui, manteau. Dis que. Encore moi, je m'en bats les fesses. C'est ma part, je passe ce que je veux, rien à foutre. Et si on casse la tête, au bout de ça, les petites filles, 16 ans, 17, maman, un quoi, maman, tu ramènes que j'ai commencé là, tu vas dire quoi? Quand il parle de ma part, que moi j'ai des enfants. Dieu me l'a surpris, non? Mais oui. C'est un sabotage. Jumanto, ta page là, il faut même qu'on bloque même ta page là. Et les gens sont là et... Comment? Il fait un homme violent. Ça se voit qu'il est violent. Non, c'est une fille qui est du Caire, elle est dû tomber amoureuse de lui. Oui, je suis rentré en Europe. Je n'arrive pas à refaire ma vie. J'ai deux enfants. Avec qui alors? Deux pères différents. Quoi, là, le sida? Fiche la paix. Tu as dit que tu ne parlais pas de ça. Tu sais pourquoi je parle de ça? Donc, ça veut dire que tu ne me suis même pas. Il y a que je ne parlais pas de ça. Donc, tu n'es pas au courant que ça devient ma priorité. Que pour battre mon gars. Mof, dégage. Regarde mon petit chien comme ça. Il t'a baisé l'anus. Regarde mon son visage de suceur de pénis. Mbap. Quand ça vous arrange. J'étais ici couillant. Vous êtes venu avec l'histoire sinon. Je vous appelle chez moi. Je vous appelle. Donc vous voulez que on tue un valeureux camerounais ici. Donc vous voulez qu'on tue un valeureux camerounais. Nous, si là, tu es qui? Il faut quand même un avocat. Est-ce que tu ne parlais pas de ça? Quand on partait sucer son pénis, j'étais avec vous. Mbap. Suspendu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les cœurs. Vous savez quoi, on parle d'un sujet qui était dangereux. Moi, je dis seulement que
vous tous là, tous les gens qui ont canonné ce garçon. Cette année-ci, vous n'aurez que la poisse. C'est moi qui vous dis. On dit qu'on veut des preuves, vous n'apportez pas les preuves. Parce que c'est le fils d'eux. Ne mettez pas les cœurs, ce n'est pas grave. Ça me regarde. C'est ma page. Allez, retirez vos commentaires. C'est moi qui vous dis. Merci mon Dieu. Allez, woman. Si j'ai bien appris tout pas qu'il n'y a pas de cœur, 10 personnes vont sauter. C'est vous qui voyez. Et que j'ai pas de cœur, s'il n'y a pas de cœur, 10 personnes vont sauter. Pourquoi c'est non? Je vais choisir deux personnes que je veux bloquer par hasard parce que je m'en fous de vous. Bon, on va commencer par qui? Moi je bloque, hein. Quand j'ai dit que Marie Crescence, je te bloque parce que tu n'as pas mis les cœurs, hein. Au revoir, hein. Elle est où là, Marie Crescence? Je viens d'avoir là, hein. Bon, au revoir, hein. Désolé pour toi, t'es bloqué. Quand je dis qu'on met des cœurs dans ma page, ce n'est pas une page de cave. Bon, Evaris, Kofi, Kwaku. Je te bloque aussi, hein. Voilà, je vais bloquer les gens parce que moi je m'en fous. Suite, Eon. Je te bloque aussi. Vous allez vous reposer un peu dans vos pages. En tout cas, moi, j'ai bloqué 10 personnes, je m'en fous. Je suis là pour vous bloquer. Ma page doit rester clean. Maman Vivi, c'est vrai que tu as bien ri aujourd'hui, mais tu n'as pas mis les cœurs. Au revoir. Bon, j'ai bloqué 5 personnes. Sachez que, écoutez-moi très bien, sachez que je suis l'une des blogueuses, que moi je m'en fous. Oui. Quand je dis que ma page bouge et que je veux, je ne vous demande pas les étoiles. Parce que vous ne me donnez pas les étoiles. Alors, contactez-vous au moins de me mettre les cœurs. Vous ne mettez pas. Ce qui est arrivé à ces innocents-ci, ça peut vous arriver, vous qui me regardez derrière là. Vous me comprenez, non? Je m'en fous. Ma page n'est pas comme les pages des autres blogueuses. Elle est vive des étoiles. Moi, je vis des publicités. On est d'accord, là? Donc, c'est deux choses différentes. Donc, si vous demandez, depuis je ne sais même pas, depuis 8 heures ou 9 heures que je suis ici, pour vous faire la joie dans les réseaux sociaux, parmi d'autres, parmi vous avez à dormir, vous avez retrouvé. Vous avez dormi, vous avez retrouvé. Donc, la seule bonne chose que je vous demande, c'est quoi? C'est les étoiles. C'est les cœurs, c'est tout. Et vous ne mettez pas. Moi, je vais vous bloquer, ce qui est c'est ça. Donc, sur ce, merci beaucoup. On fait comme ça. À plus tard. Ciao. Ça peut vous arriver, parce que moi, je bloque dans la tort à travers. Pour vous montrer que je n'ai pas besoin de vous dans ma vie. Non.